Bonjour madame, messieurs, bienvenue dans l'émission Tout autour. Nous souvent entendons nous parler de l'eau qui c'est la vie. Sans de l'eau, nous ne sommes pas capables de vivre. Mais nous pas facile, tandis qui gens nous capables de quimber sous l'eau nous en vie. Qui gens nous capables d'éviter de gagner yon raté de l'eau. Qui qualité importance tout bon vrai de l'eau gagner. Dans l'émission Tout autour aujourd'hui, on a recevoir Messiane Sagesse qui c'est responsable Association Maison Verte, yon militant écologiste qui pral parler avec nous aujourd'hui sur qualité importance de l'eau gagnée. Bonjour Messiane, bienvenue dans l'émission Tout autour. Bonjour Stéphane et bonjour les spectateurs, les spectatrices et Tout autour et son plaisir moi avec nous aujourd'hui et parce que nous pral passer un bon petit temps ensemble pour nous discuter sur question de l'eau. Oui. Et il dit de l'eau c'est la vie, et sans de l'eau nous pas rien. Et en Haïti, si nous allons plus loin, nous gagnons en pile sous de l'eau. Et fleuve, et lac, c'est ça qui a manqué. Mais est-ce que nous jamais porter une réflexion vraiment sur la condition de l'eau en Haïti? D'abord, réserve ça, yo. Qui gens nous capables de arriver, qui est yo en vie? Effectivement, non. Réalité pas nous en Haïti et bon proverbe créole Jean Sodia qui traduit tout ça qui dit de l'eau c'est la vie. D'ailleurs, on est capable de dire que nous habitons en planète ou bien nous trompons de planète parce que nous habitons en planète nous est la Terre. Cependant, planète a gain plus de l'eau que Terre. Donc, ça veut dire en réalité nous est la planète là de l'eau mais nous même en Haïti et nous avons des sources de l'eau, nous avons des fleuves, tant que fleuve à Tibonite, nous avons des autres rivières, tant que trois rivières dans le nord-ouest, dans le port de paix, en pile encore. Mais nous pas, on a l'impression que nous pas même rendre compte de qui ça veut dire pour nous. Parce que c'est des patrimoines naturels que nous avons. Que les rivières, que les sources de l'eau, etc. Donc c'est des patrimoines naturels. Mais nous ne rendons pas compte de yo qui est important. D'ailleurs, dans toutes villes, yo, on parle des villes de référence. Dans chaque département rivé, ville de référence, yo, toute rivière qui traverse, il faut traverser là-dedans. Ça veut dire nous pas gagner compréhension de qui ça représente pour nous en tant que société, en tant que peuple, et même pour survivre nous. Voilà. Mais en pile fois, nous allons aller dans des cascades, nous avons de l'eau à même gens encore. Et sous l'eau, nous pas venir même gens. Le bassin, nous avons réduit. En pile fois, nous avons regardé pour nous voir la qualité de relation nous capable de dire entre pied-bois ensemble avec l'eau. Et qui ça nous-mêmes nous devons faire par rapport avec ça? Moi-même, soit dire que nous allons vivre. Non, moi je suis dans le nord-ouest, dans Jean Rabel. Je suis dans la zone de la Camouin longtemps. Je suis sorti Saint-Marc parce que je grandis Saint-Marc. Et puis je suis fait vacances à la Camouin dans le nord-ouest. Je suis allé à un côté pas. Tout le monde dans la zone, dans le village, prendre de l'eau, etc. Son cascade. Mais récemment, je suis allé pas une cascade là encore. Raison simple. Parce que dans cette cascade-là, nous avons coupé tout gros pied bois, même pied mon bain. Par contre, c'est quelqu'un qui a mon bain. Mon bain bâtard. Ben exactement, même genre avec figuier, etc. Mapou. Mapou. C'est des pieds bois, des bois. On côté, il y a de l'eau. Il y a bralé de l'eau. Même si par en bas, racine, puis bas toujours, on a besoin de bralé de l'eau. Bon, nous couper. Soit vous coupez pour faire jabon, ou bien c'est des gens qui coupent parce que vous dites, ah, puis moi, ça vaut trop gros, vous avez un jabon. Donc, vous coupez pour ça. D'ailleurs, un groupe de figuier qui ont été coupé dans la zone de la Camouin, les gens m'ont demandé, maman, parce que maman, c'est protestante, et puis m'ont demandé, pourquoi ça vous coupez ça? Elle dit, oui, et vous fait plusieurs rêves qui disent que les figuiers ça habité. Diable, esprit maléfique. Et ça vous dit,
Et puis, il y a le fait, il y aurait ça, il y a même, il y aurait ça, des baptismes. Il dit, il y a des baptismes. Là, c'est couper puis figuer, ou bien mettre du feu là dans lui. Parce que il pensait que puis figuer ça, il y a les lois, etc. Pourtant, mais c'est faux. C'est faux. Parce que, en réalité, ça parle de loi, il n'a pas existé. Loyaux habiter n'importe côté qu'on râle ou relé ou pour habiter n'importe côté ou frio. Et puis faut nous vivre à loyaux. Donc habiter dans nous tout. Donc habiter dans nous tout. Est-ce que vous êtes tout parce que vous loi. Bien sûr. Ouais, donc, c'est ça. J'ai dit mon yo détruit ça yo et immédiatement qu'on détruit yo, ça a diminué débit à de l'eau cascade là, la bien moins l'eau d'ailleurs gagne même sèche. Et c'est triste. Donc, c'est conséquence des boisements. Exactement, conséquence des boisements, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver et planter et pieds bois. Et ceci gagné, par exemple, agronome William Sinéa, qui était à parler sur ça. Et là, nous, en fait, il y a une série de campagnes de reboisement qui fait dans le pays. Okay. Mais nous avons parlé de ça vaguement. Mais scientifiquement parlant, il n'y a jamais qu'à connaître vraiment, il n'y a jamais sorti un rapport pour dire. Mais quelle quantité de pieds bois nous avons supposé planter pour nous capables de vivre? Pallier le problème de déboisement d'abord et permettre nous de gagner une couverture forestière assez raisonnable. Côté nous avons gagné un environnement qui n'est pas vulnérable, j'en lié en là, côté tête monio pas dégradé. Agronome William Sinéa, il a montré que c'est 1 million pieds bois dans chaque département qui peut être planté chaque année pour arriver plus ou moins à gagner une couverture forestière. Plus ou moins. C'est-à-dire, en 2030, si nous n'avons pas comme ça, eh bien, nous sommes capables d'arriver à un résultat. Mais il faut qu'on continue à planter pieds bois toujours, au moins en 2040, 2050, pour nous capables d'arriver à une couverture forestière, genre ça t'a doué, dans le pays, dans Haïti que nous connaissons avant, Haïti viet qui était gagné avant. Donc, gagner en pile effort qui t'a dû faire et pour arriver à résoudre le problème. Ça. Effectivement. Oui, il y a un pile d'efforts qui t'a dû faire. Il y a un pile, nous connaissons, un pile d'organisations environnementales dans le pays qui travaillent dans la question de ça, qui dans le reboisement, etc. Mais moi-même, mon problème, non, l'autre gens. Qui ça? Qui j'aime? Moi, je crois que même si il y a 100 000 organisations environnementales en Haïti, au bail chaque 5 milliards ou bien 10 milliards de dollars, il y a pour intervenir dans la question de protection de l'environnement, que vous plantez des pieds bois, que vous avez et gestion des déchets, etc. Même si vous avez chaque 10 milliards de dollars, le problème n'est pas résolu. Parce que tout simplement, l'environnement n'est pas priorité l'État haïtien. Ça veut dire. Le problème pour le résoudre, il faut que lui rentre d'abord dans le cadre de la politique nationale. Il faut que la politique publique, chaque fois qu'il réfléchit, élaboré en fonction de l'environnement. Soit il réfléchit sur la politique santé publique, il faut tenir compte de l'environnement. Par exemple, de l'eau. Si en Haïti, par exemple, 6 millions de monde, c'est ça le chiffre scientifique qui dit, et 6 millions de monde dans le pays n'ont pas accès à de l'eau potable. Donc à peu près 40 à 50% de la population. Ils n'ont pas accès à de l'eau potable. Ils n'ont pas accès à de l'eau potable, ça veut dire que ou sujet avec toute qualité maladie, notamment diarrhée. Et diarrhée qui a tué les gens en fraction de seconde, parce que c'est la déshydraté. Donc, juste pour ça comme exemple. Donc, il faut que ça rentre dans le cadre d'une politique nationale de protection de l'environnement. Le Sahara, toute organisation qui travaille sur le terrain, il a fait travail pour le faire comme organisation dans la société civile. Là. Et puis ensuite, l'État a contrôlé ça. Parce que c'est l'État qui régule, c'est l'État qui doit bailler là. Ou bien orientation. Ce n'est pas moins ou bien équipe, association Maison Vette là qui a dit, mais qui doit dire
mais qui gens pour nous et ou bien qu'a dit mon mais qui politique pour nous appliquer pour protéger l'environnement, source de l'eau, etc. Tout patrimoine naturel, toutes ressources naturelles que nous gagnons. C'est l'État. Pendant qu'on entre dans la question de l'État, on a parlé de institution, ça qui c'est pas capable de distribuer de l'eau dans le pays. Hein. Mm-hmm. Donc, il faut que tu aies une relation. Pour le ministère de l'Environnement lui-même, il a contrôlé le travail, ça. Mm-hmm. Et les travaux publics, tout, puisqu'il s'agit de sources de l'eau que tu as capté. Donc, comment tu as de travail ensemble? Et en réalité, nous connaissons du Népal, ils ont fait un pile d'efforts. Ça, c'est sûr, il faut nous battre bravo pour l'effort qu'ils font. Même parce que du Népal, ils ont pile de travail pour le faire. Un pile de travail. Qui... D'ailleurs, ou après, le directeur général, là, M. Guito Edouard, à maintes reprises, il dit que voilà, seul, par exemple, seulement pour le département l'Ouest, là, pour la zone Port-au-Prince, là, plutôt. Zone métropolitaine. Non. Sous l'eau, 18 sous l'eau, qui a alimenté la zone métropolitaine. Non. Mais il faut commencer à sécher. Mm. Ou bien il y a un sécher net. Mm. Et il fait connaître ou il y a un qui a de capter, mais qui n'a pas capté à cause de monde qui vient habiter dans des zones protégées. Exactement. Exactement. Il va capable faire c'est ça qui fait nous dire que. Ça doit entrer dans le cadre d'une politique nationale de protection de l'environnement. Là, ça la prend de l'eau, gestion de l'eau, la prend gestion des déchets. En imaginez-nous, SNGRS, son institution qui est là, et ça a dit sous papier. Il est là pour gérer la question des déchets. Moi, je me suis dit de parler d'institution. Je me suis content de dire, bon, ah, ouais. Ok, nous sommes sortis dans la collecte, dans la gestion des résidus solides, c'était un bagage positif, mais et finalement, nous n'avons pas. SNGRS, son blague, oui. Et c'est malheureux pour le pays. Ils ont réduit toute institution, l'État, en blague. C'est-à-dire, ma bon exemple qui est simple. C'est demain matin, la primature dit, ou bien la présidence comme institution dit, nous voulons tout haïtien, jodi a, chita la kay nou, pour nous faire tel bagaille. Par exemple, pour nous dire, aujourd'hui, nous décréter comme journée d'œil national. Bon, comme si vous pensez à ici, pour occuper la primature ou la présidence. Vous pouvez occuper ou non. Vous comprenez ça? L'institution n'a pas existé encore. Il n'existait que de nom. Et ces mêmes gens, pour DINEPA, ces mêmes gens pour SNGRS, ou une institution qui est aussi importante comme ça dans le pays. SNGRS. Il était mettre le service métropolitain là, c'est là. Il fait le national qu'on y a. Bon, SNGRS pas qu'à gérer Fatra même dans Pétionville. Bon, bah SNGRS défi gérer Fatra Pétionville seulement. M'a dit zone métropolitaine. Et pas ça me dit nous, gérer Fatra dans Pétionville seulement. M'a au défi fait ça. Il pas capable. Raison simple. Il pas gain Ken, l'État, oui, m'a parlé, pas dans quelle politique nationale de protection de l'environnement. Ça fait que, yo bay, on milite en politique, généralement, gérer SNGRS. Regardez, monsieur a pas grand rien à voir avec gestion Fatra. Faux. Même gens pour ANAP, Agence nationale des aires protégées. ANAP doit faire tout bagaille dans le pays, sauf gestion et protéger. Pas bien, non? Et protéger là pour conservation. C'est la principale mission. Yo. Mission de conservation de tout ça qui gagne comme ressources ou bien comme espèces animales, végétales, etc. Mais ANAP a fait tout bagaille sauf gestion et protéger. Yo la gueule dans mes militants politiques. Ou pas qu'à fond pays ça. C'est le ministère de l'Environnement. Si le ministère de l'Environnement ou la gueule, n'a même un militant politique. Donc l'Elvini, il a pour le prendre l'ordre, n'a même président, n'a même premier ministre. Là. Ça a demandé que y ait des gens dans le pays qui sont conscients des problèmes ça. Et qui abordent des problèmes ça dans le niveau de la gestion de l'eau.
son problème politique d'abord, son question politique. En regardant en Haïti, combien d'institutions dans le pays y a qui vendent de l'eau? Est-ce que l'État a un contrôle? Est-ce que l'État a un contrôle si la caïman là a besoin de l'eau pour me servir? D'ailleurs, je ne suis pas dîner pas parce que je ne fais pas confiance. Ça pas intéressé, même bien pour EDH. Ça pas intéressé, ma courant EDH là. Parce que je ne pas faire EDH confiance, EDH n'est pas bon courant. EDH a parlé de courant seulement dans la radio et la télévision. Mais je ne pas de courant EDH. Donc, il y a pour me rendre moins autonome, pour me permettre que je fonctionne, me rendre moins autonome. Je ne pas servir avec courant EDH là. Je ne vais pas aller pour moi. Courant 24 sur 24, là, il n'y a pas le même gain. Mais il n'y a pas EDH qui va moins. C'est moins de baille tête, moins courant 24 sur 24 là. C'est même j'ai pour de l'eau. Ou pas qu'à vivre dans un pays comme ça. L'État doit occuper de tout ça. Yo, d'ailleurs, je paye taxes pour ça. Je paye taxes pour mes courants. Je paye taxes pour gagner de l'eau. Avec ma gagne. Maintenant, allons attaquer la question de l'eau potable. Là. En Amérique, il y a un paquet de pays qui font pile d'efforts dans ça, ou rentrer dans le caille, ou ouvrir le robinet, ou boire de l'eau. Ouais. Ça a toujours arrivé des gens qui sont très sensibles sur la question de santé, qui ont choisi d'acheter une bouteille de l'eau. Maintenant, pays là, ouais, chaque petit coin passé, il y a une petite maison qui a 20 gallons de l'eau. Donc, c'est comme si nous ne venions pas penser avec le problème de l'eau potable là encore. Et puis, nous venions résigner, nous venions capitaliser. Là, nous disons, OK, tout le monde qui a besoin de l'eau, prend 2-3 gallons et puis, al chercher de l'eau. Immédiatement, toute maison ça a qui n'a pas de problème dans le pays là, il n'y a pas de besoin de l'eau. Et puis, tout le monde est bloqué. Nous sommes capables de prendre exemple. Pays locaux, là, il y a des paquets de monde qui commence à bouillir de l'eau parce que y a des maisons qui n'est pas capable, route bloquée, ils n'est pas capable de bailler de l'eau encore. Donc, qui pense à te commencer? Est-ce que pas de commencer à faire des travaux qui étaient faits avant dans le pays pour les gens capables de briver de l'eau potable? Donc, c'est toujours une sensibilisation, dire que les gens bouillent de l'eau, proposer des gens comme si pour filtrer de l'eau. Et puis, c'est comme si baguette magique là était dans mes quelques institutions et puis au même yo connent comment puis traiter de l'eau et puis yo tout kembe de l'eau et puis des institutions privées parce que jusqu'à présent nous pas autant de vraiment côté dans l'état comme si qui a bail monde de l'eau et n'a pas acheté de l'eau vraiment cher qui gens nous t'a arrivé sortir dans problème ça pour payer pour question de l'eau potable là les mêmes les pas un luxe pour nous dans quel que soit pays dans le monde on va vivre ou de l'eau potable. Vin en luxe, son danger pour la population. Gè de côté dans le pays d'Haïti, vous parlez avec un bidon de l'eau dans le monde. Vous prenez pour un monde qui a un cob. Un bidon de l'eau. Vous prenez pour un monde qui a un cob. Vous dites, vous parlez de l'eau, monsieur Aboué. Vous parlez de l'eau, mademoiselle ou bien madame Aboué. Ou différent de moun yo. Parce que moun yo, lè a prendre l'eau, il parlez dans la rivière, vous prenez un raquette. Bah, moun yo, il est le raquette. Mais c'est cactus qui traite de l'eau dans la réalité pas yo yo la gueule là-dedans et puis pau yo boit de l'eau mais yo pour comme on dit quoi oui on achète un bidon de l'eau 25 gouttes 30 gouttes gain côté 50 gouttes ou pas qu'à prendre de l'eau comme bien accès à de l'eau potable son droit chaque monde en dedans voilà population en gagné yo doit jouir. Et c'est son violation de droits humains. Lors à vivre comme citoyen dans une société, ou pas gagner accès à de l'eau potable. Et c'est une pigou violation de droits nous qui offert en Haïti. Nous pas gagner accès à de l'eau potable. Mais raison simple. Quel que soit j'en viré la rebondi sous politique. Qu'on prend de l'eau, qu'on prend gestion des déchets, qu'on prend courant, qu'on prend quel que soit ça, qu'on prend reboisement. À tomber autour de la politique. C'est ça que fait. Nous avons toujours dit ça pour tous les militants écologistes dans le monde. La question écologique, c'est des questions éminemment politiques. Pas pour ça à la légère. Pour ça, l'État n'a pas contrôlé l'institution qui vend de l'eau en Haïti. Que c'est de l'eau dans la bouteille ou bien que c'est de l'eau dans le camion. Vous allez pas contrôler ça. Les populations identifiées clairement qui pas de bonne qualité. Ah ben bien sûr. Pas dit dans médias mais bien sûr. Et tout pour nous garder nous là, on connaît gagner de l'eau, il pas servir avec bien si il y a un choix et il y a plus ou moins deux ou bien trois compagnies de l'eau que c'est ça.
yo observé la gagne de l'eau y a vendre dans pays là yo vendre dans petit sachet d'ailleurs son ba yo te doit interdit dans pays là vendre l'eau dans petit sachet l'état doit interdit ça gagne de l'eau vendre là l'eau dans petit sachet l'eau prend le droit senti à l'état fait vous ça et pas occupé l'état pas d'ailleurs l'état pas bail c'est ça pour population comprendre l'état haïtien modèle l'état ça nous gagne là pas bail société pas bail population régler rien pour lui il a besoin seulement les bien élections d'ailleurs ouais au sensible pour élection hein depuis les élections au sensible il compte tout le monde exister parce qu'il a besoin pour voter d'ailleurs dans la logique pas et ça même qui veut dire démocratie parce que démocratie c'est à l'élection voter ou bien au pays pour qu'à voter ça démocratie pour yo mais par contre démocratie c'est l'égalité de chance c'est banni inégalité sociale ça pas pour yo d'ailleurs tout temps gagné et écart ça qui existait entre population hein? Donc moun qui pauvre plus moun qui gagne l'argent au moins donc moun qui gagne l'argent va utiliser l'argent pour gagner pouvoir parce qu'il a utilisé moun qui pauvre et ça oui c'est sous ça l'état chita problème de loi n'est pas conjoncturel les structurel il dépend des organisations société a mode d'organisation sociale c'est ça qui fait dans courant écologique yo gagner écologie politique qui aborde question ça c'est mode d'organisation sociale là c'est qui gens société a organisé ou imaginons que me dit moi-même j'ai quoi 24 sur 24 pas besoin de me dire ça dans télévision même gagne et pas l'état ban moi et moins que baïtement courant 24 sur 24 il pas de fait comme ça non c'est même gens leur habite en côté route là crasé comme on gagne moyen pour ça ou acheter un 4x4 pour ca prendre route là combien monde qui gagne un 4x4 là donc là ça faut l'état bay moun yo service là donc faire route là que m'a marche à pied que m'sou bicyclette que m'sou moto que m'sou petite machine bien bas et cetera ou bien que m'sou 4x4 là route là accessible pour tout monde c'est service l'état et l'état pour moi pour résoudre problème société ou pas résoudre problème société à son pas main l'état et c'est fin des organisations environnementales yo militants écologistes attention hein nous a fallu en danger là non tunnel de la mort tout problème environnement regardez problème environnemental yo complexe dans pays là on pas résoudre en subvention ou pas capable maison verte gain subvention pour faire des projets ou pas ces maisons vêtements résoudre le problème environnemental. L'hypothèse on pousse et n'a toujours besoin organisation environnementale pour autant plus parce que dans la société civile là il y a proche population donc il est important mais il pas nous pas résoudre le problème non c'est l'État qui pour finalement élaborer une politique ou bien un projet de société. Donc toute politique publique yo yo dit finalement yo dépend de l'écologie y a élaboré en fonction de l'écologie et depuis nous fait ça n'a bon société n'a besoin de manger parce que question de l'eau agriculture la donne d'ailleurs agriculture toucher ou bien consommer à peu près 70% de l'eau dans monde là ou bien dans pays là agriculture prend plus de l'eau. Oui, en pile fois paysan eux même pour ne pas caral en souffre parce que yo connait envie planter, on envie foncer de bagaille. Mais c'est ça, de bagaille de l'eau. Pas à cause de l'eau. Exactement. Connait les paysans pas ca. Ça qui affecte encore l'économie nationale là. Bien sûr. Ça veut dire problème de l'eau pas seulement de pour boire. Mais son problème, regardez, question de l'eau, elle rentrer dans cadre économie nationale là, elle rentrer dans survie moun yo, bèt yo. Si bête yo pa jwenn de l'eau pour yo boire, y a mouri. En pile zanimo depuis yo pa jwenn de l'eau, y a mouri. Ou a conséquence changement climatique tout. Gan pile côté dans le monde. Bœuf, mouton, cabrit et cetera, yo mouri parce que yo pa jwenn de l'eau pour yo boire. Et pas seulement dans gouverne la de la Ozé, non, yo fait guerre pour de l'eau. Moun mouri pour de l'eau. Moun a mouri pour de l'eau jusqu'à présent là. Dans le monde. Moun a mouri pour de l'eau. Pour nous finir, mais c'est une sagesse. Et l'État, ça fait des temps depuis qu'il y a
pratiquaient en politique, je me foutisme. Mm-hmm. Et des membres de la population encore qui étaient en passivité. Donc, il y a des gens qui juste étaient, ils ont gardé, ils ont l'état pas faillant, ils ont été constatés. Donc, quel message vous avez quitté pour les gens qui ont gardé là, pour être capable de sortir de la passivité ça et accorder priorité à ça qui t'a droit de gagner priorité? Le message là, c'est dit que chaque citoyen qui a gardé l'émission ça, ou son monde dans la société. Pas quitter quel monde viole les droits. Depuis que viole les droits, riposter. Exiger l'État pour créer conditions pour vivre bien dans le monde. Il faut le bord de l'eau, il faut le bord courant, il faut le bord ensemble de bagailles qu'on a besoin pour vivre dans le monde parce qu'on paye l'État pour ça. Ou paye taxes pour ça. Pas grand yon faut pas payer taxes. Regardez. Pas grand yon fait de boire vivre. L'État pas touché sous. Il touche taxes. Il prend l'argent sous. Donc on a exigé l'État pour le bon service en retour. Et c'est ça que fait. Les nous prennent dans l'élection. Population, chaque citoyen qui attend de là. Évitez voter moun pour slogan. Pas voter slogan pour ton programme politique, un projet de société. Et qui montre à clair qui gens y a fait, qui moyen y a utilisé pour atterrir le programme ça. Donc nous parlons là. Parce que nous, nos pays, d'ailleurs, c'est triste, c'est très triste, oui. Ou nos pays, les gains de développement, en fait, si gains de développement, oh oui, oui. Bon, bah, on est. Ou nos pays, c'est l'État qui fait spot pour dire pays et société à pays à développer. C'est l'État qui fait spot publicitaire pour dire que, ah oui, conditions de vie ont commencé à améliorer. Mais c'est faux. Si conditions de vie ont pas amélioré, et pas l'État pour tout ça, on senti. On a senti conditions de vie ont pas amélioré. On a senti que, voilà, il y a tel bagage qui fait pour en tant que citoyen. Donc, on y a, c'est le monde qui a choisi pour nous mettre dans tête l'État. C'est le monde qui a choisi pour nous mettre dans, comme Azek, Kazek, magistrat, et sénateur, député, etc., président, ministre, les n'ont pas fait travail. Il faut nous mettre une pièce. Donc, je vais inviter la population. Il faut nous exiger. Militants écologistes. Attention. Qu'on nécessite pour que nous réseautions. Parce que l'OPRE en pile pays dans le monde qui fait des progrès. La question environnement, d'ailleurs, c'est des pays modèles, c'est bataille militaire écologiste. Mais pas bataille organisation qui a pris la subvention dans les ONG qui a pris environnement. Une bataille qui est difficile. Sûr. Et c'est bon, sûr. C'était un plaisir, monsieur Ernest Sagesse, pour nous recevoir dans l'émission Tout autour. Eh bien, plaisir partagé, ça fait plaisir, je suis content. Et puis, merci tout le monde. Nous devons continuer la bataille. Et c'est bataille pour nos batailles, pour nous arriver à vivre tant que monde. Voilà, monsieur Ernest Sagesse, qui est responsable de l'association Maison Verte, un militant écologiste qui t'a parlé avec nous aujourd'hui de nécessité qui gagne pour nous et une bonne gestion de l'eau. Et en Haïti, côté l'étape suggérer que nous gagnons une politique nationale pour capable résoudre le problème de l'eau et surtout et enjeux écologiques. C'est donc plaisir pour nous déposer numéro émission Tout autour, ça pour nous. Nous avons l'autre rendez-vous pour une prochaine émission Tout autour.